La Nouvelle-Calédonie, un archipel niché au cœur du Pacifique Sud. Une terre océanienne riche des cultures des peuples qui s'y côtoient depuis près de deux siècles. Kanaks, Européens, Polynésiens, Indonésiens, Asiatiques. La Nouvelle-Calédonie, c'est aussi un lagon, et pas n'importe lequel. Avec ses 1200 km, le récif corallien qui entoure la Grande Terre est la plus longue barrière récifale continue au monde. Par voie de conséquence, le lagon délimité par ce récif barrière représente à lui seul 24 000 km² d'eau claire tout autour de la Grande Terre. Depuis 2008, les récifs coralliens, les lagons et les écosystèmes de Nouvelle-Calédonie sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et reconnus internationalement pour leur splendeur et leur richesse. Au vu de ces images, comment s'en étonner ? Pour être précis, cette inscription concerne 6 zones réparties sur les domaines des 3 provinces administratives et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les atolls d'Entrecasteaux à l'extrême nord, ceux d'Ouvéa et de Botambo-Près aux îles Loyauté, les deux grands lagons situés au nord et au sud de la Grande Terre, et les deux zones côtières nord-est et ouest. Dans ces eaux prospèrent certaines des espèces les plus menacées au monde. La troisième plus grande population de dugong y réside à plein temps, tandis que les baleines à bosse viennent chaque année s'y reproduire et mettre bas. Sur ces îlots, sur ces plages, nidifient les tortues marines ou familles d'oiseaux marins les plus vulnérables. Au total, les zones calédoniennes composant le bien inscrit au patrimoine représentent près de 60% de la surface totale du lagon de Nouvelle-Calédonie. Une immensité de beauté, de grâce, de fragilité, et aussi un formidable défi pour les femmes et les hommes en charge de protéger et gérer ce patrimoine inestimable. Comment assurer la préservation d'une telle étendue ? Comment coordonner de manière efficace des missions aussi diverses que la surveillance de l'espace maritime, l'évaluation de l'état des écosystèmes ou encore le suivi biologique permanent des espèces protégées ? Seule réponse possible, la concertation, le partage des responsabilités et des tâches. En Nouvelle-Calédonie, 4 institutions se partagent la compétence en matière de protection de l'environnement. Les 3 provinces, Sud, Nord et Île Loyauté, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sous l'impulsion de ces institutions, un modèle original de gestion participative à la calédonienne fut imaginé. Dès 2006, avant même l'inscription effective des sites calédoniens, s'est imposée la nécessité d'impliquer les populations locales dans toute leur diversité. C'est ainsi que sont nés les comités et les associations de gestion dans chacune des 6 zones inscrites. Majoritairement bénévoles, représentatifs des différents groupes d'acteurs locaux, ils regroupent des représentants de coutumiers, de pêcheurs, d'opérateurs touristiques, d'associations ou encore d'institutions, tous travaillant ensemble à des actions concertées, répondant étroitement aux réalités du terrain. Le comité de gestion met en place un plan de gestion et la mise en œuvre, c'est l'association qui met en œuvre le plan de gestion avec toutes les actions qui sont dans le plan de gestion. Et parmi les actions, on a l'action suivi tortue qui se déroule tous les ans à la même période. Donc là, ici, on est sur l'îlot Yavat qui fait partie d'un des sites suivis avec l'îlot Yega. Et le travail consiste à venir rester sur l'îlot, à passer 2 nuits, 3 jours, et à surveiller les tortues qui, quand ils viennent... viennent fréquenter le site, pondent et on profite de ces moments-là pour faire le bagage. Et là, on travaille en étroite collaboration avec les membres de l'association qui sont déjà formés pour cette action. Et là, en ce moment, ils sont autonomes. Car en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit sa formation, sa fonction ou son statut coutumier, la protection et la gestion des lagons est l'affaire de tous. Dès lors, chacun peut agir à son niveau, tout en contribuant à enrichir les connaissances qui permettront de proposer des mesures de protection et de gestion toujours plus adaptées et cohérentes. Les brigades de garde nature sillonnent le lagon pour faire appliquer la réglementation. Les espèces emblématiques sont suivies de près et les récifs, comme leurs habitants, font l'objet de toutes les attentions,
Quotas, zones et espèces protégées font partie de toute une panoplie d'outils de préservation. La Brigade des Gardes Nature a trois missions. Donc le contrôle et la surveillance, la sensibilisation des populations au code de l'environnement et à ses lois, et le suivi du milieu. Le suivi du milieu, ça nous permet d'engranger de l'information, ces informations qui peuvent faire évoluer les lois, ou nous permet de sensibiliser aussi les personnes de bord de mer, leur donner de l'information qui pour l'instant est un peu manquante ou qui n'ont pas de base scientifique. Le fait qu'on soit sur ces îlots, qu'on fasse ces rondes de façon régulière, ça permet aussi de contrecarrer ce qui pourrait advenir en termes de pillage de nids, sur les nids de tortues, mais de une surveillance qui est aussi plus générale, c'est-à-dire sur tout ce qui peut être activité de pêche. C'est vraiment des sites qu'il faut continuer à suivre et continuer à préserver, notamment de la surpêche ou de la surexploitation des ressources. Outils indispensables de coopération, d'animation et de concertation, le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Calédonie a vu le jour en 2011. Ses missions essentielles sont de comprendre, de protéger, de valoriser les espaces naturels terrestres et marins de la Nouvelle-Calédonie, tout en assurant et en coordonnant la gestion participative, intégrée et durable de ces espaces. Le Conservatoire relaie l'information vers le Centre du patrimoine mondial et le public calédonien. Le rôle du pôle patrimoine mondial du CEN, c'est de garantir une cohérence dans la gestion du bien inscrit au patrimoine mondial. Le CEN est le point d'entrée pour l'UNESCO, c'est-à-dire qu'on va être le référent en cas de question ou besoin de reporting sur ce qu'on fait en termes de gestion. C'est le CEN qui va être sollicité pour apporter la réponse à l'UNESCO. Face aux menaces induites par le bouleversement climatique, face aux conséquences inéluctables des changements de nos modes de consommation, le défi réside dans la quête de solutions durables. Un défi essentiel, vital pour notre génération, comme pour celles qui nous succéderont. Depuis leur inscription, les lagons de Nouvelle-Calédonie sont devenus le patrimoine non plus du seul peuple calédonien, mais de l'humanité tout entière. Conscient de cette responsabilité, chacun sur le caillou est aujourd'hui concerné, impliqué dans la tâche perpétuelle de la préservation de ce patrimoine universel.